Ça prend du temps pour découvrir la vie, tout accueillir comme un cadeau de Dieu. Ça prend du temps pour devenir soi-même, être un espace où l'autre peut grandir. Ça prend du temps pour naître au vrai royaume. Ça prend l'esprit d'amour pour recréer nos cœurs d'enfants. Si on prenait le temps, au lieu de se faire prendre par nos soucis et nos peurs qui nous éloignent de notre cœur, si on prenait le temps de vivre au présent, accueillant ce Dieu qui passe, viens et prenons le temps d'accueillir le don de Dieu. Ça prend du temps pour rencontrer la source, écouter Dieu dans le secret du cœur. Ça prend du temps d'apprendre à dire je t'aime, à tout donner pour vivre le bonheur. Ça prend du temps pour être un vrai disciple. Ça prend pour témoigner le pouvoir de ne rien pouvoir. Si on prenait le temps, au lieu de se faire prendre par nos soucis et nos peurs qui nous éloignent de notre cœur, si on prenait le temps de vivre au présent, accueillant ce Dieu qui passe, viens et prenons le temps d'accueillir le don de Dieu. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Alors aujourd'hui, le Seigneur, à travers le livre de Coëlette, nous invite à prendre le temps. Il y a un temps pour chaque chose. Et parfois, nous prenons le temps pour quelque chose qui n'est pas ou qui est déjà passé. À travers cette Eucharistie, prenons le temps présent pour être avec le Seigneur. Prenons un bref instant pour préparer notre cœur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et vous aussi les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde. Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton Saint-Nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de Coëlette, chapitre 3. Il y a un moment pour tout, et un temps pour chaque chose sous le ciel. Un temps pour donner la vie, et un temps pour mourir. Un temps pour planter, et un temps pour arracher. Un temps pour tuer,
et un temps pour guérir, un temps pour détruire et un temps pour construire, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour gémir et un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres et un temps pour les amasser, un temps pour s'étreindre et un temps pour s'abstenir, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour ne pas aimer, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel profit le travailleur retire-t-il de toute la peine qu'il prend? J'ai vu la besogne que Dieu impose aux fils d'Adam pour les tenir en haleine. Toutes les choses que Dieu a faites sont bonnes en leur temps. Dieu a mis toute la durée du temps dans l'esprit de l'homme, mais celui-ci est incapable d'embrasser l'œuvre que Dieu a faite du début jusqu'à la fin. Parole du Seigneur. Pour le psaume, je reprends le chant « Je crois en Jésus-Christ » de Madeleine Dubé. Je crois en Jésus, Sauveur du monde. Vivons notre foi en Jésus, le Seigneur. Jésus, révèle-moi la beauté de ton visage. Fais-moi saisir ta présence et rayonner la joie de Dieu. Je crois en Jésus, Sauveur du monde. Vivons notre foi en Jésus le Seigneur. Jésus, enseigne-moi ton accueil pour tous mes frères. Fais-moi chanter l'espérance et partager la paix de Dieu. Je crois en Jésus, Sauveur du monde. Vivons notre foi en Jésus le Seigneur. Jésus, viens vivre en moi le mystère de ta Pâque. Fais cheminer ton Église au souffle de l'Esprit d'amour. Je crois en Jésus, Sauveur du monde. Vivons notre foi en Jésus le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alléluia, 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 alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 9. En ce jour-là, Jésus était en prière à l'écart. Comme ses disciples étaient là, il les interrogea. Au dire des foules, « Qui suis-je ? » Ils répondirent, « Jean le Baptiste, mais pour d'autres, Élie, et pour d'autres, un prophète d'autrefois qui serait ressuscité. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Alors Pierre prit la parole et dit, « Le Christ, le Messie de Dieu. » Mais Jésus, avec autorité, leur défendit vivement de le dire à personne et déclara, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que le troisième jour, il ressuscite. » Acclamons la parole de Dieu. Vous imaginez-vous comment peut être scandaleux ce que Jésus vient de dire? Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué pour ressusciter le troisième jour. Pour les apôtres, c'est scandaleux. Comment le Fils de Dieu peut-il souffrir? Comment le Fils de Dieu peut-il être condamné à la croix? Comment Dieu peut-il être condamné? Comment Dieu peut-il être rejeté par les hommes et les femmes? Cela semble impossible. Cela ne peut arriver, et pourtant c'est arrivé. Et pour Jésus, c'est ce qu'il y a à faire. Ah, bien sûr, nous aimerions passer une vie sans souffrance. Nous aimerions passer une vie sans avoir peur. Nous aimerions passer une vie qui ne soit pas inutile. Mais la clé de cette réponse est encore dans le livre de Coëlette que nous avons lu tout à l'heure. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour se réjouir et un temps pour la désolation. Il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter. Et je voulais même dire, il y a un temps pour s'étreindre et un temps pour s'en abstenir. Oui, tout n'est pas nécessaire d'être immédiatement dans la vie, mais un jour viendra, dans l'équilibre de la vie, où il y aura du bon, il y aura du mauvais. Il y aura quelque chose qui nous fera souffrir, quelque chose qui nous réjouira. Nous ne pouvons vivre uniquement dans la joie, ni uniquement dans la peine. Le Seigneur a mis en nous ce désir du bon et de la peine, cette capacité de nous adapter aux deux, de pouvoir vivre les deux en relation avec Dieu. Et Jésus a souffert sa passion d'abord en relation avec son Père. C'était une relation d'amour. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Cela n'est pas un abandon. Cela n'est pas une question de lâcher prise. C'est une relation de confiance. Père, je ne peux plus rien. Je te donne tout. Je te remets même mon esprit pour que tu puisses choisir ce que tu en feras. J'ai tout donné. Alors oui, même si Pierre proclame que Jésus est le Messie, l'envoyé de Dieu, cela n'empêche pas Jésus de vivre son humanité en passant par la souffrance pour obtenir la résurrection. Nous sommes invités à notre tour à vivre notre vie en relation avec le Père, car c'est lui qui donnera du sens à notre souffrance et qui réjouira notre cœur
pour que nous gardions espérance, pour que nous gardions dans notre foi ce goût pour la charité. Présentons devant le Seigneur ces offrandes, pour que justement ces offrandes soient le chemin prévu par le Père pour unir nos cœurs aux siens, qu'il puisse nous accueillir, que nous puissions lui laisser toute notre vie, comme le Christ l'a fait. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs purifiés par sa puissance t'offrent un amour qui répond à ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est la parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit-Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains lors de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, Père aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient. Au nom du Seigneur, hosanna au plus haut des cieux, hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau le rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela
en mémoire de moi. Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église, au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde, et dont tu connais la droiture, nous te prions, tout spécialement aujourd'hui pour Maurice Boisvert et pour Réal Pinard. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus a tout donné au Père, même son Esprit. Osons faire la même chose à travers cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
Donne-nous la paix. Heureuses les invitées au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Renouvelés par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'à jamais rachetés nous possédions dans ton royaume ce que nous célébrons en chaque Eucharistie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, tout simplement, je vous rappelle que demain, c'est la fête des saints martyrs canadiens. Alors, nous aurons cette fête spéciale. Et surtout que dans ces martyrs canadiens, l'Église dans laquelle je présente nos Eucharisties quotidiennes, eh bien, s'appelle Saint-Isaac Jogues, un des martyrs canadiens. Alors, on prendra le temps de pouvoir justement découvrir ces martyrs. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ.